Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 52e édition de Vision du Réel. Ce matin, nous avons le plaisir de discuter avec le réalisateur de Nostromo, Fiznik Maxville. Nostromo est un film présenté en compétition nationale, en première mondiale. C'est un film qui nous convoque sur une île du nord-ouest du Canada et qui nous invite à questionner notre rapport à la nature, à la solitude, mais aussi à l'autre. Bonjour Fiznik. Bonjour. Je vous propose de commencer par une question sur vos personnages. Comment vous les avez rencontrés? Donc, ils sont sur cette île qui n'est pas toute proche. Comment ça s'est fait, cette rencontre cinématographique? Alors, pour un peu situer le contexte justement géographique, c'est une île qui se situe sur un grand lac qui est au nord du Canada. Le lac fait la taille de la moitié de la Suisse, donc c'est énorme. C'est une petite île qui n'est même pas sur aucune carte, donc sur Google Maps, on ne peut pas la trouver. Et puis ce personnage m'a été présenté par un de mes amis, justement, un ami de Neuchâtel qui était déjà allé là-bas, un peu lui également dans une sorte d'exploration du lieu. Et puis il m'a ramené énormément d'histoires de cet endroit, notamment l'histoire d'Olivier, le personnage principal du film. Et c'est à ce moment-là que je suis entré en contact avec Olivier. Donc, vu la distance et puis le fait que j'étais pris sur d'autres projets, je n'ai pas pu aller moi-même directement. Mais ça a été plusieurs mois, si ce n'est une année, en fait, de discussions, d'aller-retour avec Olivier. La question s'est très vite posée de savoir s'il fallait faire un film. Et pour moi, c'était évident qu'il y avait un film à faire avec ce personnage dans ce lieu. La deuxième question, c'était est-ce qu'il faut y aller avant ou pas? Et puis là, c'est une question à laquelle je me suis dit c'est peut-être mieux de jamais aller dans un tel endroit afin de garder une sorte de... comment dire, une sorte de fantasme par rapport à ce lieu, par rapport à ces personnages. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller sur place, même si j'y suis allé juste avant le tournage. Mais pendant l'écriture, pendant la préparation, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'une fois arrivé sur place, j'ai vraiment été confronté à une histoire que j'avais complètement imaginée et ce que je pouvais faire pour de vrai sur place. Et quand vous y êtes allé, donc c'est un lieu effectivement peut-être intimiste par rapport à la quête de Olivier, cette quête aussi de sens, cette recherche qui lui est chère. Vous y êtes allé accompagné de qui? Alors, on est allé en très petite équipe. Donc, cet ami justement qui m'avait présenté Olivier est venu avec nous comme une sorte de fixeur ou une personne sur place qui pouvait arranger les choses. Parce qu'évidemment, c'est très compliqué sur place. C'est très loin. La première ville est à 8 heures de bateau. Donc, il faut s'arranger pour aller d'un endroit à l'autre. Il faut connaître les bonnes personnes. Il faut faire en sorte de pouvoir trouver évidemment du matériel sur place si besoin et tout ça. Avec le monteur. Chose que je fais généralement, c'est-à-dire avec le même monteur Costas à qui je travaille depuis très longtemps maintenant, c'est quelqu'un que j'aime avoir sur mes tournages. C'est quelqu'un qui peut me donner cette confiance de me dire « il te manque ceci, il te manque cela, regarde où tu en es aujourd'hui, regarde qu'est-ce que tu penses faire demain ». Et puis le chef opérateur, Jules, avec qui j'avais déjà travaillé avant. Donc on était vraiment en toute petite équipe, c'est-à-dire que les tournages se faisaient avec le chef-op et moi, qui prenait le son également, apparemment je sais prendre du son. Et puis ensuite on était directement avec le monteur qui pouvait regarder presque, je dirais en temps réel, ce qu'on faisait. C'est-à-dire que la journée se composait de tournage, puis de travail en montage directement. Et donc on a évoqué le son, vous prenez vous-même le son, et ensuite il y a eu évidemment un travail très important au niveau sonore qui accompagne cette quête, qui accompagne aussi la dimension peut-être mystique, si tu peux employer ce terme, du film. Comment ça s'est fait, ce travail qui est venu après, plutôt dans la post-production du film, ce travail sonore qui accompagne la quête des personnages? Alors le travail du son, enfin moi j'ai pris le son, mais j'ai pris uniquement le son direct. C'était plutôt le monteur qui justement, pendant que moi je tourne, lui allait également prendre des autres sons, notamment des sons, ce qu'on peut appeler des sons de la nature. Sauf que ces sons de la nature, c'est quelque chose qu'on a voulu transformer et pas le créer uniquement de manière diégétique, c'est-à-dire ne pas mettre le son direct uniquement, mais des sons également qui sont imaginés, c'est-à-dire dans un autre moment, dans un autre lieu même. Donc ce travail sonore a vraiment été fait dès le tournage, parce qu'on avait énormément de matériel son, plus que du matériel image, très certainement. Et puis, au niveau du montage, on s'est rendu compte que cette histoire se racontait également par cette perception du sens sonore, en fait. Et c'est pour ça que le montage a été un long processus, processus que je ne regrette pas du tout, parce que c'était génial, mais le travail du son a vraiment amené une couche supplémentaire, en fait, au film, sans parler de la musique qui est venue s'ajouter encore après.
Et plutôt au niveau des images, car les images ont également une dimension mystique. D'ailleurs, il y a une image qui m'a beaucoup touchée, celle où on voit une carcasse qui ressemble à une oreille. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai vue comme ça, mais tout d'un coup, j'ai l'impression que cette nature et ce territoire, en fait, nous invitent à écouter peut-être les sons de ces lieux-là. Comment vous êtes allé chercher la nuit, les aurores boréales, ces images qui ont voilà, cette dimension mystique aussi très forte? Alors, je ne sais pas si c'est du mystique, parce que c'est quelque chose qui est complètement du cinéma du réel, la question de l'oreille, parce que je pense que c'est intéressant de le mentionner. Donc, avec les autres personnages du film, ceux qui sont donc des autochtones de la région, qui ont habité là depuis, depuis très 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 longtemps, lorsqu'ils chassent un animal, notamment un élan comme celui-ci, ils doivent couper les oreilles en premier pour montrer le respect qu'ils ont envers la bête et envers la nature. Donc, c'est la première chose qu'ils font, c'est couper les oreilles et les accrocher sur un arbre, afin de pouvoir, à ce moment-là, procéder à découper l'animal, le préparer pour le manger, le transporter, etc. Concernant les images, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir tourner avec des caméras digitales, parce qu'on peut faire énormément de choses. Donc le film a été tourné avec deux caméras différentes, deux caméras qui sont vraiment des caméras entrée de gamme d'une certaine manière, qui sont parfaites pour le documentaire. Et c'est ce qui nous a permis de justement monter énormément les ISO, ajouter beaucoup de grains pour pouvoir capter les choses de nuit. Donc, je pense que la seule lumière qu'on avait, en plus des aurores boréales, c'était une petite LED qui était dans un coin, ou alors des bougies, mais sans plus. Et je pense que c'est grâce à cette technologie qu'on a pu tourner beaucoup de nuit. Comme vous l'avez remarqué, le film est énormément tourné de nuit, parce que c'est à ce moment-là également qu'on pouvait, d'une certaine manière, prendre l'attention d'Olivier. Parce que même si c'est une personne qui habite seule sur une île, il travaille, en fait. Il travaille pour lui-même, premièrement pour se nourrir, parce qu'il pêche énormément. C'est quelqu'un qui vend son poisson pour également subvenir à ses besoins, mais aussi pour pouvoir investir dans la construction de maisons, etc., sur son île. Enfin, sa propre maison, parce qu'il habite tout seul. Donc, le soir était quand même un moment où on pouvait l'avoir un petit peu plus dans quelque chose d'intime. Même si le film est également composé de scènes de jour, lorsqu'il travaille, lorsqu'il avance dans sa vie, dans sa quête, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'était la nuit où j'avais l'impression qu'il y a énormément de choses qui sortaient. Le côté mystique, c'est que la nuit, dans cet endroit, sans exagérer en plus, c'est un endroit qui peut se révéler être relativement dangereux. C'est-à-dire que c'est une petite île, mais la terre n'est pas très loin. Il y a des ours, il y a des loups, il y a énormément d'animaux qui peuvent être dangereux. Donc, lorsqu'on est la nuit dehors, par exemple, il faut se balader avec un fusil. Donc, c'est ce genre de choses toutes simples qui, je pense, m'ont tellement influencé dans ce que je faisais que... C'est pour ça que je qualifie le film comme un documentaire un peu, un petit peu fantastique d'une certaine manière. Parce que vraiment, je me sentais comme presque dans un film de genre, alors que je faisais un documentaire. Il y a dans le film donc Olivier, on en a un petit peu parlé, et ensuite il y a trois autochtones. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport à l'autre que vous racontiez dans votre film, que vous abordez? Je pense que c'est vraiment dès l'inception du film. C'est la volonté de raconter l'histoire d'Olivier. Donc, pour un peu contextualiser, Olivier est un Français, un Parisien qui est né à Paris et puis qui a aujourd'hui environ 40 ans. Et à l'âge de 20 ans, c'est quelqu'un qui a complètement rompu avec sa société. Donc, ayant grandi dans un quartier, disons, très urbain de Paris, c'est quelqu'un qui est parti tout seul, très jeune, avec très peu d'argent, aller au Canada pour vivre un peu... Je ne sais pas si je peux appeler ça la vie sauvage, parce que c'est une manière un petit peu étrange de le dire, mais c'est quelqu'un qui a vraiment voulu complètement rompre avec son background pour arriver à quelque chose de nouveau. Et justement, j'avais envie de raconter cette histoire d'une personne qui vient de l'Occident, ce qu'on peut appeler l'Occident, et qui se retrouve dans un lieu qui n'est pas le sien historiquement, mais qui essaye d'en faire le sien, justement. Et c'est pour ça qu'interviennent ces autres personnages, qui sont justement ces autochtones de la région, qui viennent sur son île. J'avais pas du tout envie d'aller chez eux parce que je me serais senti comme la personne qui veut documenter leur quotidien à l'endroit où ils vivent, mais au contraire, les faire venir dans ce nouveau paradis qu'Olivier essaie de se construire. Et cette histoire, on l'a mentionné tout à l'heure, bien que ce soit un thème un petit peu fragile et difficile à parler, parce que je ne suis pas forcément dans la meilleure des positions, mais c'est cette idée de premier contact, d'une certaine manière. J'avais envie d'inverser la chose pour montrer à quel point, nous aussi, en tant qu'Occidentaux, lorsqu'on veut créer notre paradis au notre endroit, l'arrivée des autres peut être un choc immense. Et c'est ce qui se passe dans le film, justement. Et lui, par exemple, quand on le découvre faire certains rituels, quand ce rituel de...
poisson qui fumait. Ça, c'est des choses qu'il a appris par la rencontre donc, de personnes autochtones ou comment ça s'est fait, ça? Alors justement, il y a une grande partie dans le film, il y a une grande partie sur justement ce rituel du poisson qu'on appelait vraiment le rituel du poisson entre nous. Lui, il avait un autre nom pour ça, mais c'est quelque chose qu'il a appris justement des autochtones sur place. Et j'avais envie de montrer d'une certaine manière cette absurdité, non pas pour critiquer Olivier, au contraire, mais pour montrer à quel point il est difficile de prendre ces techniques ou ces traditions autochtones et ensuite d'en faire son business, si je peux dire ça. Parce qu'en fin de compte, quelque chose qui ne figure pas dans le film, mais c'est qu'à la fin, par exemple, Olivier leur vend le poisson qu'il a préparé de manière traditionnelle. Donc à ces gens dont la tradition est de faire le poisson comme ça. Et vraiment, c'est le film joue aussi avec cette notion de répétition, parce que finalement, bien qu'on a tendance à idéaliser le fait de vivre seul, ailleurs, loin, isolé de tout, en fait, la solitude s'impose sur Olivier, et c'est quelqu'un qui a une routine vraiment très, très stricte. C'est une personne qui va passer sa journée à pêcher le poisson parce qu'il en a besoin, il va manger donc ce dont il a besoin, après il y avait aussi pour nous, mais également pour pouvoir vendre ce poisson, en faire un commerce, afin de pouvoir continuer à s'installer sur place de mieux en mieux. Donc il y a forcément, enfin pour moi le film est empreint de contradictions, parce que je pense vraiment que cette idée des gens de l'Occident qui veulent partir, s'isoler, vivre la vie sauvage, est pleine de contradictions également. Et peut-être ça rejoint aussi la fin de votre film qui va vers la ville quelque part, ou la petite ville. Après, les personnes qui nous suivent ont normalement vu le film, donc je me permets cette petite, cette petite remarque. Donc vous avez décidé comme ça de suivre cette direction-là, d'aller vers la ville à la fin. Oui. En fait, ce qui s'est passé, et ça c'est donc complètement du behind the scenes, si je peux dire, du film, c'est que depuis le moment où on a visité Olivier sur son île, qu'on a passé ce un mois et demi avec lui, il a désormais décidé de quitter son île et d'aller vivre en fait avec beaucoup plus de gens, etc. Parce que je pense qu'on a dû créer quelque chose en lui, comme une sorte de besoin de se retrouver avec les autres. Alors moi, j'ai jamais voulu provoquer ça, évidemment. J'ai jamais été une personne qui va lui dire « faut que tu partes d'ici », etc. Au contraire même. Mais je pense que lui, ça l'a motivé à justement partir vers quelque chose de plus urbain, quelque chose de plus social. Et c'est ce qui s'est passé également dans le film, c'est-à-dire qu'il nous a raccompagnés en ville, donc la ville qui a 8 heures de bateau. C'est vraiment très très long, 8 heures de bateau, hein. Parce que c'est un petit bateau, il fait super froid, donc il faut vraiment être motivé pour y aller. Et donc, il nous a raccompagnés là, et c'est là où on a tourné cette scène de fin, où il se retrouve finalement tout seul, à nouveau, mais dans un bar, dans une petite ville, mais il n'y a personne autour de lui de nouveau. Et vous, Fiznik, est-ce que ça a questionné, ça a changé votre rapport, par exemple, avec la nature, avec la solitude, faire ce film-là ? Je pense forcément que faire un film, c'est vouloir retrouver des sensations qu'on a peut-être déjà eues ou peut-être un petit peu frôlées. Donc moi, j'ai quand même grandi à la campagne avec des animaux les premières années de ma vie jusqu'à ce que je vienne en Suisse. Parce que passer du Kosovo à vivre dans une ferme, dans un village en Suisse, ça a été vraiment une rupture énorme. On se retrouve dans un appartement de 2 pièces et puis on n'a pas d'animaux, on n'a pas de champ, on n'a pas de terrain, on n'a rien. Et je pense que j'avais également envie, et ça je pense que c'est un désir de beaucoup de cinéastes, de se reconnecter à des choses qu'on avait précédemment senties. Et c'est pour ça que me retrouver là-bas face à cette nature, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Et je pense que ça a été vraiment un moteur très puissant dans le tournage de ce film, c'est de me rendre compte que ce qui est autour de moi, c'est quelque chose d'hostile. C'est quelque chose que je ne peux pas dompter. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de le dompter, en fait. J'avais envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui essaye de le faire pour montrer à quel point il serait, selon moi, absurde que de vouloir imaginer la nature comme quelque chose qu'on peut totalement maîtriser. Parce que, en fait, c'est exactement le contraire. C'est la nature qui vous maîtrise dans ce cas-là. Donc, évidemment que c'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui, je pense en temps de pandémie, où énormément de gens ont envie de se reconnecter à quelque chose qu'ils peuvent appeler peut-être de plus spirituel ou peut-être de plus viscéral, d'une certaine manière, la nature. Mais moi, je pense que, étant des bêtes urbaines, pour la plupart des gens, je pense qu'ils nous regardent, c'est vraiment difficile de se reconnecter à quelque chose qui est peut-être une sorte de paradis perdu, même. Et vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué le processus de montage qui a été une partie évidemment très importante du film et qui a pris un certain temps, beaucoup d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot peut-être ? Alors, monter un film pendant qu'on le tourne est quelque chose qui apparemment ne convient pas à tout le monde.
Moi, c'est vraiment la méthode que j'adore parce que je pense que je travaille aussi avec un monteur qui me connaît, que je connais bien et avec qui on peut communiquer de manière parfaite concernant le film que je veux faire. Si je me souviens bien, une fois qu'on a terminé le tournage du film, il nous restait encore quelques jours sur place et puis on a commencé à monter un film. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. Et finalement, le film a complètement changé. Mais c'est grâce au fait qu'il ait été là que j'ai pu également me diriger vers des choses ou du moins éviter de me diriger vers des choses que je ne voulais pas. Et ce processus de montage, pour moi, est vraiment hyper important parce qu'on a tendance à dire que le vrai art du cinéma, en fait, c'est le montage. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais je pense que pour le monteur, c'est également intéressant de se confronter à ce qui se passe avant. Parce que la fameuse théorie comme quoi il doit être un petit peu vierge du tournage, tout ça, moi, j'y crois pas du tout, en fait. J'ai plutôt envie qu'il me raconte aussi son énergie de ce qu'il a senti sur place. Donc, je sais que vous travaillez dans une école de cinéma. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est mis en avant ou pas. Le fait de travailler simultanément avec le montage. Pour moi, c'est un exercice que j'adore, qui me demande beaucoup plus de travail, parce que sinon, quand on a fini de tourner, on va se coucher. Mais je préfère justement, dès que j'ai fini de tourner, pouvoir confronter mon matériel à une personne qui, certes, n'a pas été sur le tournage, mais n'est pas loin, peut sentir également l'énergie. Lorsque je reviens du tournage, j'ai une énergie particulière, la personne peut le sentir. Et peut, si elle a l'intelligence d'un bon monteur, sentir justement que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher ou pas. Mais c'est une approche qui est vraiment intéressante. Il faudrait que vous veniez nous en parler une fois à l'école aussi et discuter de ça avec les étudiants. Oui, mais alors je viendrai avec le monteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je sais que vous avez déjà tourné votre prochain film, donc au Kosovo. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose de cette expérience, un mot avec nous de ce projet qui est en cours maintenant? Vous venez de rentrer. Oui, alors je suis rentré il y a 3 semaines du Kosovo après un tournage, je dirais gigantesque d'une certaine manière, parce que c'était mon premier long métrage. Et puis, c'était beaucoup de jours de tournage en temps de pandémie, dans un lieu qui était vraiment pas mal reculé de la ville, donc dans les montagnes. On est passé de moins 18 à plus 20 pour après avoir de la pluie, de la neige, etc. Alors que le film est censé se tourner sur une seule saison. Bon, on a fait ce qu'on a pu, je pense que ça a très bien marché. Donc, après 4 ans que j'ai terminé mes études, j'ai fait plusieurs documentaires courts ou longs. Un autre film de fiction court, mais là, c'était mon premier long métrage. Et je pense que c'était d'une certaine manière comme une manière de passer une étape, même si je ne le considère pas vraiment comme ça, parce que c'est plutôt une continuité logique, je dirais. Mais faire son premier long métrage, notamment en temps de pandémie, dans un scénario qui est vraiment très ambitieux, très ambitieux dans ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que je réussis, mais ça a été vraiment une expérience géniale. Et puis, on a recommencé ce processus de montage sur place. Donc, à nouveau, lorsque je terminais le tournage, il fallait consulter avec le monteur qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce qui s'est passé. Sauf qu'il avait 2 jours de retard, ce qui était peut-être encore mieux d'une certaine manière. Et puis maintenant, j'en suis au point où 3 semaines après être rentré, on va bientôt avoir une première version de montage. Et pour moi, je n'ai pas besoin de cette scission, de cette rupture entre le tournage et le montage. Pour moi, c'est un processus qui doit aller ensemble. Et donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Merci beaucoup Fiznik, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre démarche cinématographique et nous nous réjouissons de voir votre prochain film et évidemment j'invite tout le monde à découvrir Nostromo qui est disponible en ligne et que vous pourrez aussi découvrir en salle à partir de jeudi. À bientôt et encore merci. Merci.
Hello everybody, welcome to the 52nd edition of Vision du Réel. And in the international competition, I have the pleasure to welcome here in the studio Tomasz Wolski, who is a filmmaker of a very striking and stunning movie of that selection called 1970, with his producers, Anna Gavita. Welcome to you, and I will open that online discussion by asking you maybe what was the starting point of 1970. You came last year with another medium length, which was called An Ordinary Country. It was based upon videotapes and archive footage you found I guess in the secret police services, and that were at the disposal of who could take it and make something with it. You did with an Ordinary Country, which was I'm pointing out what was recording in the privacy life, in the private life of the Polish citizens. With 1970, you focus or you zoom on a larger scale, focusing on a social uprise that, for my part, I didn't heard about before seeing 1970. An uprising that was due to an increase of prices and that turn into a fierce repression. And what is striking is that you are building somehow, somebody says, a thriller, telephonical thriller, because you catch the audio recordings of some communist dignitaries that are trying to cope with that uprising, trying first of all just to calm things down, and then as things are getting worse and worse, their decisions are getting worse and worse also. Yeah, so what was the starting point? The starting point was actually, as you mentioned, An Ordinary Country, because I went to this archive in Poland, and I was preparing and digging all these materials, and I found these phone calls, and I was listening to them, and I thought that's strong, and I thought that I might use it in An Ordinary Country. But when I was editing, and it took me 4 years, so that was some kind of way, some process to edit An Ordinary Country. Yes. So that was at the beginning, I collect all the materials I thought that might be interested for me, and then I just read of some of this and this, and I was focused at one topic, and I checked what is fitting or what is not fitting to this topic, and I realized sadly that I have to leave this 1970 phone calls and the riots and events that happened in Poland that they do not fit to an ordinary country, because that was the film about, that is a film about privacy, that we lose our privacy, and it, and 1970 event is about something different. So then I thought that because there is about 16 hours of this phone conversation, mm-hmm. I realized that it's enough to build the film, because in this conversation there's a whole dramaturgy of that events. I mean, not whole, but enough to tell a story, to get a feeling what happened in that time. So yeah, that was the starting point. And so the starting point is the sound. Yes, the sound, and the sound is that's tricky, because
this archive, they weren't open yesterday or a year or 2 years before. They're open for some years already. And this footage is the directors are using them for years, but no one make such a documentary that would be complex. In Poland, you know, this because it's a Secret Service footage. They are used by, let's call them directors, but mostly they're reportages. Sometimes they are propaganda reportages that can prove something against someone or some events that happened in Poland. So they use it for some special purposes. For me, that was not the case. I didn't want to make such a documentary with an ordinary country and 1970. For me, it was like this event in 1970, that was the event that, well, I was born 7 years after this event. So for me, it was interesting that the my generation or younger generation might get some feelings. I didn't, and that was that my kind of thinking about making this film, that they do not explain everything in details the history, but you can get a feeling about what happened. At this time, you said you were born in 1977? Yes. So you were 7 years old when the events took place? No, I was born in 1977, so... Yeah, that's what I mean. Yeah. But did you hear about that uprising, I don't know, maybe inside your family or before? No. Well, the events took place when I wasn't born. But my parents actually they were working in a shipyard, but not that time. It happened few years after, and they were my father is usually saying that he was working next door to Lech Wałęsa, but they never met because the shipyard, the Gdańsk shipyard, is very big. Yeah, so it was your father was involved inter brackets 10 years after in what we call here the state of emergency and the bond of Solidarność, which is also centered on that specific region of Gdańsk. Yes. And the neighborhoods. And this is also where 1970 is taking place. Yeah, because the solidarity that was set in 1980, so 10 years after, wouldn't happen if these events wouldn't exist. Mm. That was the starting point. About you know that the solidarity was set, that they remembered this massacre and they don't want to do it again. They try to find another way to you know to talk to the government. But it's striking because seeing 1970 and the slogans that are painting on the walls, they are not directly against the regime. They are just fighting for better social economic conditions. They are fighting for having bread, something to eat. For local shop, there's a sign that we want a local shop, a grocery. That means something. I mean, how poor the situation was. And that's why when we were deciding to make these puppets and to build the rooms, we decide to put like a food inside. I think that's universal, that we know that politics has everything. They have everything. Yeah, outside the people were starving. Yes, and inside and fighting, they were eating. And those dignitaries are just eating something, and it also is. It is also we can hear it. Yeah, that's the only sign that that I found in the footage, and I put it in the film. There's a sign we want freedom, democracy, but it was after the.
No, there's only one freedom, but that was mostly the people were fighting for food and because of the prices. And then that's interesting because after 10 years, it changed. They were fighting for freedom. Before going back to the very specific form you choose to shoot 1970, I would like to ask a question to your producer, Anna Gavita. Producing a very such kind of film, which is quite very strong and with a very original form, is it easy to sell and to find partners to raise money to put money in it? No, it wasn't. There was some challenges, and usually when we work for the film, it take 8 years, 5 years, and at least 3 years. But this film we made in 6 months. So it was a very intensive and hard time for us. And we want to be a part to celebrate, because in December 2020, there was a 30th anniversary of this event. So our TV version of this film was the part of kind of celebration of that. And and because there was only 6 months of production, so the cash flow was really bad. We have to invest our savings to start the animation part, because it was the most expensive part of this production. And but there was also some positives. For example, we don't need permissions from the characters. Puppets are so shy. And also we've got this red hand, which is quite... It's Anya hand. We will talk about... But it wasn't like this that we... But we don't want to spoil also the end. That wasn't like this that we start 6 months before. We went with this idea to make a film, and that point was without the puppets. About 2 or 3 years before before it finally we get the permission to produce. But this is how the television works. Maybe, and then they realize, oh, it's an anniversary this year. Okay, do it quickly. So okay, we decide, we have some doubts, because it's especially when I find idea to make with puppets, that it's really tough and problematic to do it in a half year, to edit, to find to dig the archives, to find the archive, to digitalize this archive, to build these puppets and this rooms, in a few months. And the idea was that these puppets will be as close to the reality as it is possible. From the real characters. Yes and characters, and also the places. So the people was involved in animation, that is Robert Sova from Krakow. He made animator from Poland. Yeah, he made a beautiful, an amazing job, because he was watching every details, even with a battle that was that time. It was really the labels, the actual labels of that time. Yes, so everything. It's very strange when we see 1970 that you pay so much attention to the little details in the offices, dark, gloomy offices of those dignitaries. And so it's still possible to make exhibition with these puppets and all the sets we made it. So the next edition of the festival, you can make it. We can bring it with us. Why not? That's a pretty good idea. Going back to the process of editing, it was also a specific time that Poland was going through. There was mass demonstrations also outside. And
Did you have the feeling that working on events that took place 40 years before, yeah, there had some echoes on the situation of the present with the demonstrations of women fighting for their rights? Yeah, it was one particular moment during we were shooting the animation, and we hear the voices around, the noise of the protest, because it was in the center of the Krakow, so the on the streets were the strikers, there was a riots in the cars, so yeah. Yeah, we were thinking about this at the beginning, yeah, when we were thinking about this footage and what we can do with it and if it's worth to do anything with it. If it might be a universal story, not only Polish, because I didn't want to make a film like a historical film. I don't treat an ordinary country as a historical historical film and 1970. Yeah, of course, because also in an ordinary country, you are talking also about privacy, and privacy, the control of our privacy just changed the scale with the network and something like that. It was narrower during a communist period, but to what extent? Yeah, so we have some conversation and we talk about this subject of riots, about people that that go to the street and the government and the power that do not want to talk to them. They just sent army or militia or police later. So we thought, yeah, it's because that was the time when in Belarus Lukashenko won an election and people they didn't agree with that and they were on the street. That was a few months after the Floyd was killed in United States, and people were also on the street and there were riots there. So we thought, yeah, it's maybe it doesn't matter the reason. In Poland, that was bread, but it might be the police, how they're treating their citizens or the people that do not agree with election. Or you can find another reason. People are on the street, and we were thinking that, you know, the government should talk to these people, not to send, you know, guns and army. So it should be some kind of warning, and of course what happened around us after the actually what we were shooting, and after we went I'm shooting this puppets and we finished the shooting and we were on the street, and there was a because of the pandemic we couldn't go on the street because it was illegal, but the strikers found the way that they were in the cars. A lot of people went out homes and went to the car, and they made a huge traffic and you know, making signal all the time. Mm-hmm. It was allowed because you could, the government could do nothing about this. But it's also not that behavior of government. It's nothing new and old. It doesn't mean that that what happened in 1970, and then again we have in 1981 when we have a martial law in Poland, and what's going on, that in between there were no such a situation. No, there was a lot of situation like this, even during the Solidarity. I think also in 1956 there was the Poznan events linked with the Budapest one. 1 minute, okay. Yeah, and this is also interesting because in what we are recalling this situation, that was the starting point for Gomułka, that was a leader of a communistic party. And he was in charge in Poland. He started this, and when it started, he said, because it was also the workers that went out on the street, and he said, the workers were right. We have to take care of them. And then after this 14 years, he forget everything. And when the workers went on the street, he sent an army. And he finished his career in the politics that time. Of course.
Yeah, we are just coming to the end of that online Q&A. I would like to say thank you very much to you, Tomasz Wolski and Agavita, for sharing with us and with the audience here in Switzerland such a strong movie that reminds us. It was a pleasure, pleasure, not only to be here with our film in this beautiful festival, but also in the situation that we could come here and present in a theater. In a real theater. With an audience, small but still, that's a great experience. So thank you. Thank you. Welcome again. I would like to remind to the audience that 1917 is still available online till I think the 23rd. So to count 48 hours still. So I might invite you to rush on it. Thank you very much. Thank Bye-bye. You.
Hello. No. Hello, everybody. Welcome to that 52nd edition of Vision du Réel in 2021. I have the pleasure to welcome here on that stage, that studio, Stefan Pavlovic, who is a filmmaker of a very beautiful movie, Portrait of a Solitary Man, called Strafko, in the so-called Looking for Horses. That is still available online. I would remind the audience till the 23rd, 7 p.m. But before or after you saw Looking for Horses, we'd just have a quick discussion with you, Stefan. Thank you very much to be with us today. You. My first question would be linked with a song. I don't know why Looking for Horses reminds me of a song from the Beatles. I don't know if you know that song. I would just read to you some of the lyrics. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool and he never gives answers. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning around. It's A Fool on the Hill by the Beatles. And the song is called what? Sorry? What's the song called? The Fool on the Hill. The Fool on the Hill. Wow. Strafko is not a fool and is not living on a hill. But there is something connected with the atmosphere that you you put in your movie. Yeah. That very sensitive approach of two people, because this is mainly a movie about a relationship you are building. And it's a relationship you are building that is built between two human beings with sharing one loss. Yeah. Your loss is that language impairment, trying to use your native tongue, trying to use it and to refine it. And Zdravko's got hearing loss due to the war in Bosnia. Yeah. Was it the purpose, your first purpose, to share with him, to approach him with that loss, sharing that loss? No, actually not. It was not not the purpose, or there was no purpose. I think it was all sparked out of a spontaneous meeting that really touched me. There's a specific story, like the day that I met him was at this lake. I was there visiting my visiting my mother with my grandmother, and my grandmother had slipped and she fell and twisted her foot. And even before meeting Zdravko, he came to me and he said, "Let's go, I'll take you to the lake, because there's this fish, this little fish, that if you put it on the foot, it will stop the swelling." And this really... Oh, yes. And we did that. And this really touched me for some reason. And this was kind of the beginning where we there was a bond, but it wasn't that immediately there was a film or... Like, but are you deciding to... are meeting Zdravko. You are not just recording the first appearance. But we have the impression in Looking for Horses that the camera is here to record the first meeting, I would say. Well, it was almost like that. It was very soon, because he also saw the tattoo, my tattoo on my hand, which is of a horse. And he asked me about it, and then I said I really like horses, and he said, "There's wild horses around this lake. I will show this to you." And this was actually the... And then I asked, "Okay, but can I film then the landscape?" So this was the first moment where the camera was there, and he was just showing me kind of the landscape. And then these language things started to happen, that I don't really know how to speak. He doesn't really hear me.
And then the camera became kind of our, like it was kind of standing in between us, and it was an indication, it was like the tool of our growing bond. It was almost because of the camera that we kept coming together again and again. Yeah, because he's saying, I think maybe in the middle of the movie, I look at myself in you. Yeah. You are saying I'm that. I'm saying that. You are saying that. And in response, in my memory, something like, yeah, we are just inventing our own language. Yeah. Yeah, this he said. He said to me, like, we can just be here for 100 years. And I mean, I don't know exactly what he meant by that, but it felt like that we, besides the misunderstanding, we can't fully understand each other, but there was like, there was a bond, and it was quite special to just sit with each other and really pay attention without all this hyper-articulation. There's a lot that is in between, you know? That is with sharing the time. And this is what I eventually tried the film to build around. Like it was, since the beginning, I asked myself a question, how can I not make a film about him? How can I not make a film about someone who will be on camera almost 85% of the time? How do you do that? How do you make a film actually about what is in between us? What is the friendship, you know? And that's how I came with these subtitles, you know, as tools to show there's someone behind the camera, and my voice became also a part of that. Yeah, you were spending a lot of time on the boat and on the lake, and you're always pointing out that you are here as a cameraman, as a filmmaker, trying to find words, and you're just putting it also in the subtitles. When you ask him if he's married, if he's got a woman, you point out your finger, your fingering. Again, because it's about our friendship. So there's two elements to it. It's like an attempt of a dialogue, and I didn't want to just turn the camera to me, because I don't think that would have been a solution if I just did that by myself. It happened gradually in the film, but like there's not tricks or something to do this, how to include yourself or how to speak about the friendship. This was my biggest question in the film, actually, how to do that, how to film. So how did you resolve it formally? I got some ideas. You are using, you have a very specific, for example, or to start with, you have a very specific use of sound in Looking for Horses. Hmm. Because your first meeting, before the words, speaking words, is a sound, the sound of the buska. What is Buchka. It? Buchka. Yeah, it's his... Just to irritate catfishes. It's his communication with the fish, yeah. This was also one of the first things that I saw him do. It was this. And then he listens and he waits. And this was for me like all these types of communication with the landscape and waiting. It's also a type of communication, type of attention. And this type of attention that was happening in the boat, this for me was so beautiful. And this is, I try to like capture is I think the wrong word, but I try to express that a little bit. And it's interesting also the way you are setting your own impairment in language using flickering images, and it's a mixture of images. It's images of the, I would say, the
the present shooting. So it's also an imaginary landscape. Yeah. You share the landscape of your family and your background. Yeah. And it's a mixture also with other pictures where you were put as a child when your family left Bosnia, flying the war also. Yeah. Yeah, these were actually parts of thoughts and stories that I actually wanted to tell him. That when I'm sitting there with him on the boat, he's talking to me and sharing some of his story. I wanted to tell him that, but I couldn't. Because of the language barrier. Yeah, because I just don't know enough of the language to share that. So, but I somehow wanted to involve that in the film, like that the film, the base of the film would be the water and the lake, but that then the film would leave a little bit and would go into a more lyrical space of my voice where I'm looking for these words, I'm looking for images. Like almost the film is trying to get into, like that other part of the film is trying to get into the part of the film where the lake is. It's trying to enter. And, but yeah, that all started of wanting to talk to him actually. And then how this flickering happened, I really genuinely can't answer that really straightforward. It happened, I recorded my voice, I did these writings, and then I'm... During the shooting or after, when you were editing? Yeah, because I was shooting and then immediately editing and shooting again. It was all mixed. So I recorded that, and then there were all these stutters, and I took all of them out, and I made like a clean voiceover. And then I thought, like, it's about this actually. The film is about that. How can I take that out? And then I have a voice which is stuttering, and I'm thinking, what images to put there? I can put a picture, or I can put it over the lake, but. And then I did have this idea. Why don't the stutters are only the stutters are images. Only those are trying something. They're trying to get somewhere. And this is how I think slowly this thing came. When you are building your relationship with Stravko, this is the core dramaturgy of Looking for Horses. Yeah. And we have the feeling as spectators that you slowly become accomplice together. And it's that friendship is on the boat also. I mean, the sequence where you are both sitting on the boat, we see your foot all together. And afterwards, he proposed you to steer the boat, and you propose him to film you. Yeah. And later, that sequence, there is something also which bonds you more closer. It's the fact that you help him, I would say, install the device to hear better. And he says, I wish I could hear like that before. Yeah. I would like to ask you also if there was the question of transmission between that guy who went through the war, who is from the other generation, and your generation you belong to. What do you mean transmission? Like that? He was involved in that war. He wasn't. Yeah. He was too small. I guess that your parents weren't involved also. Neither. Yeah. And was it for you unconsciously a way to connect with that traumatic part of the story of your home country and that landscape which is
in between, I would say. There is that lake, those hills, the horses, that man. And we have the feeling that that landscape needs to be populated again, and that maybe your relationship is a starting point of that population, the next population. And it's also a question of generations. All of that is there, I think, yes. But I don't, I was not consciously thinking how to personally make a connection with with that specific part of history. I mean, I'm aware, of course, and my grandmother has that's the background. That's has suffered through the war also. She fled to Belgrade. But I was very aware that you can speak about the trauma being passed over from one generation to the next. But I'm very aware that I didn't go through it. My parents didn't. They left before the war, actually. So I hope also that the film shows that I'm not comparing at all. Like we are finding each other in this pain. No, I mean I really come from a different place and a different time, and my friendship actually with him and the bond with him was an opportunity to listen, you know, and to think about to think about these things and to think about about the history, but also like the subject of war. I also wanted it to come always kind of, which is how it was, but always out of just the casual conversations. I didn't want that to be like the topic of the film, but of course it's something, you know, you can't overlook. You can't, it made this whole generation, like he said. So yeah, I think to answer, you know, quickly, I think yes, it was a way to indirectly, I think, come closer to this place, you know. When you come closer to the place through that man, you were saying before that you were shooting, then editing, then shooting, then editing. Could we say that you also show him the rushes that you edited, and was Looking for Horses also a co-constructed movie? Like with him? Yeah. No, I wouldn't say. No, I. He did not give you his feedback. No. I showed him a lot, and I showed him the film, obviously. Mm-hmm. But his responses were in laughter, mainly in laughter and things. We were shooting 2.5 over a period of 2.5 years, mm-hmm. so a lot of things he had forgotten. So it was. Early on, of course, he said, and we both said that I would constantly show it to him, and that he can say, this goes out, obviously. No, but he didn't put himself in any decision-making role. But we watched, of course, everything all the time, and the film we shared. And he was so surprised by these moments of, do we have to stop? Sorry. No, it's okay. we could talk a lot. About Looking for Horses that I invite the audience to see online till the 23rd of April. So it left 2 days left.
thank you very much again, Stefan Pavlovich, to share your story and your friendship, strong friendship, with Zdravko, with us. Bye-bye. Thank you. Thanks for having me.